Ça s'est passé ici à 13h. J'avais rendez-vous avec lui pour déjeuner. À 14h, il était toujours là. Il me disait, s'il m'arrive quelque chose, le testament est là. Prends-le. Je l'ai vu, et bien sûr, je ne l'ai pas pris. Il n'avait pas déposé chez un notaire ? Non. Vous êtes qui ? Son ami. Tout le monde que je l'ai rencontré. J'avais 25 ans. Je me suis dit, ça, c'est le bon. Il a toujours été pour moi un papa, une maman, une banque. Les Michauds, ils sont à moi. Alors tu perds tout. Ça va à qui ? La famille, ils les aimaient pas. Heureusement qu'il m'a laissé une assurance vie. Au total, ça fait 300 000 euros. Ça m'a coûté un infarctus, un coma, une valve, mais j'ai écrit. Là, je suis en panne. Heureusement que j'ai mon psy. J'y vais 3 fois par semaine. C'est beaucoup. Ça prend du temps. Tu le paies combien ? 100 euros. Moi, 150. Il exagère. Il est très curieux, celui-là. Il veut m'amener en femme à Pigalle. Quelle chance ! Fais-le. Moi, je fais plus rien. Je sublime. Tu as de la chance. Avec le temps, je suis devenue de plus en plus gourmande. J'ai pas le même passé que toi. En ce moment, j'ai surtout besoin d'affection. Faudrait que je me trouve un petit jeune, malin, coquin, vif. Comme toi, il y a 40 ans. Et moi, Titoune. La vie.